Oui, nous sommes encore là. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous osons croire que vous vous portez très bien et que ce soir encore là, vous êtes branchés, vous êtes là câblés sur vos postes récepteurs, postes téléviseurs et que ce soir encore, vous allez écouter notre cher invité qui a démarré il y a de cela 2 semaines. Il est allé en vernaculaire et ce soir, on va terminer et le thème que nous avons commencé depuis il y a quelques jours. Alors, sans tarder, et nous allons demander la grâce de Dieu de nous aider sur et ce plateau pour que nous puissions finir en beauté. Alors, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons encore te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, la vie, tu la détiens et tu la donnes à qui tu veux. Merci de nous avoir prêté cette vie ce jour. Et papa, nous voulons aussi te recommander, Seigneur, la séance de ce soir entre tes mains. Tout ce que nous aurons à dire ici, nous prions, Saint-Esprit, de diriger le débat et que, Seigneur, papa, cette parole puisse vraiment faire du bien à quelqu'un. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité et merci pour ta compagnie. Béni sois-tu au nom de Jésus, nous avons rendu grâce. Amen. 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 Alors, je vous le disais, c'est encore notre spécialiste en intelligence financière, le docteur Payaro. Il est encore là pour nous entretenir sur le thème que nous avons commencé il y a quelques jours, il y a de cela 2 semaines. Oui, ce soir, nous avons encore le privilège d'avancer dans nos débats, puisque la fois passée, il était question de savoir si la femme a un revenu au foyer et si elle l'avait. D'où lui venait ce revenu? Nous avons fait les contours de tout ce que nous pouvons appeler revenu de la femme et comment gérer ce revenu. Ce soir, nous le verrons. Alors, bonne arrivée, docteur Payaro. Merci beaucoup, maman. J'espère que vous allez bien, votre épouse, vous-même, votre église, asseyez. Nous les saluons affectueusement dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et vous, chers téléspectateurs, recevez nos salutations et les salutations de notre directeur et de notre personnel RTJVA. Portez-vous bien, vous qui nous recevez de l'autre côté du monde, je vais dire, hey, aux États-Unis, partout en France, à l'extérieur, que ce soit en Afrique ou en Europe ou en Asie ou en Amérique, nous vous saluons. Soyez bénis. Alors, ce soir, nous allons voir comment la femme, la jeune fille doit gérer le bien qu'elle a à sa disposition, que ce soit en nature, que ce soit en espèces, l'argent. Comment gérer cet argent pour que vraiment ce bien puisse être durable et servir jusqu'à la fin de notre temps. Alors, sans plus monopoliser la parole, je donne la parole à notre invité de saluer qu'il veut et de commencer après. Merci. Bon, merci beaucoup, maman. Et je tiens à saluer le directeur de RTJVA et tout le personnel aussi de la radio-télévision Jésus vous aime. Les téléspectateurs et téléspectatrices, je vous salue. Et encore, c'est encore un plaisir ce soir d'échanger avec vous sur la promotion de la femme et aussi comment l'aider dans ses finances. Et particulièrement ce soir, nous allons aborder la gestion des finances dans le foyer. Maintenant qu'elle travaille, qu'elle gagne de l'argent, comment gérer cet argent? C'est de ça que nous allons échanger. Oui, merci, docteur Payaro. Et nous allons essayer de voir, quand on parle de gestion, c'est quoi? Parce que ce thème-là, c'est pas tout le monde qui sait gérer. C'est quoi gérer? La gestion, c'est quoi? Bon, la gestion, c'est simplement comment exploiter le bien que vous avez pour le pérenniser et en même temps répondre à vos besoins présents et vos besoins futurs. En savoir gérer quelque chose, si aujourd'hui je gère mon BIC, bien bon, donc là demain je peux l'utiliser. Ou bien je peux mal gérer ça et puis demain c'est inutilisable. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on nous donne, nous devons bien gérer ça.
même notre vie, nous devons bien la gérer. C'est ça. Et notre corps, pour que nous soyons en bonne santé, nous devons bien gérer notre corps. Mm-hmm. Donc, ce qu'il faut mettre dans le corps, ce qu'il ne faut pas mettre, ou bien dans notre foyer, pour bien le gérer, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est tout ça qu'on appelle gestion. Donc, gérer quelque chose, ça veut dire qu'on t'a confié quelque chose. On veut venir trouver ça dans un état tel qu'on t'avait donné ou bien dans un état plus meilleur que ce qu'on t'avait donné. Là, on dit que tu as mal géré, tu as bien géré. Mais si on te donne quelque chose et on vient trouver ça dans un mauvais état, là, on va dire que vous avez mal géré. Mmh. Et supposons que, bon, comme nous voulons aller spécifiquement dans le sens de la gestion des finances, votre mari, comme c'est-à-dire de femme, vous donne, madame, prenez ces 20 000 francs, faites tout possible pour qu'on couvre le mois. Et alors, vous prenez les 20 000 francs, nous allons parler de gestion. Est-ce qu'après 3 jours, vous venez dire que les 20 000 francs sont finis, c'est terminé? Ou bien à la fin du mois, vous venez vous dire, ah, mon mari, vous m'avez donné les 20 000 francs, j'ai géré tout le foyer à manger durant le mois, mais à la fin du mois, j'ai pu faire l'économie de 2 000 francs. Donc là, on va dire que celle qui a géré, fait des dépenses, les besoins, et en 3 jours, vient dire que tout est terminé, on ne peut plus continuer jusqu'à la fin du mois. Donc on va dire que la gestion n'est pas ce qui est attendu. Maintenant, celle qui a géré jusqu'à satisfaire tous les besoins dans le minimum possible et avoir une partie qui est préservée de ce qui a été donné, ça veut dire que c'est la bonne gestion. Est-ce que nous pouvons essayer de d'avoir une démarcation entre l'intendant et le gestionnaire? Oui, l'intendant, c'est quelqu'un à qui on a confié un bien, qui ne l'appartient pas, et on lui dit de gérer. Donc là, lui, il gère pour rendre compte à quelqu'un. Et là, lui n'est pas le propriétaire. Mais ce que nous parlons de gestion là, en même temps qu'on dit de gestion, l'intendant aussi gère. Mm-hmm. Mais lui, il gère ce qui ne l'appartient pas. Mm-hmm. Il doit rendre compte. Dans le but de rendre compte. Dans le but de rendre compte. Au propriétaire, oui, au propriétaire. Mm-hmm. Par exemple, l'intendant, on te nomme directeur général d'une société. Mm-hmm. La société n'est pas à toi. Maintenant, tu gères la société pour rendre compte à ceux à qui appartient la société, l'entreprise. Et là, peut-être on va dire ce sont les actionnaires ou bien c'est un riche qui a créé son entreprise. Vous vous rendez compte chaque jour. Mais l'autre gestion, c'est pour vous. Ça vous appartient. Maintenant, vous avez le pouvoir de gérer comme vous avez le droit là-dessus. Par exemple, je prends l'exemple d'un salarié. Il travaille dans une entreprise et il rencontre, à la fin, on lui paye son salaire, son revenu mensuel. Dès que l'entreprise lui verse son salaire, ça l'appartient. Il a le droit de gérer son salaire comme il veut. Il peut aller prendre, aller rester dans le bar, boire tout l'argent là-bas. L'entreprise ne viendra pas dire pourquoi tu es allé dépenser tout ton argent dans le bar. Ou bien il prend l'argent, il va et il dépense tout dans l'achat des pagnes. On ne viendra pas dire pourquoi tu as... Parce qu'il a l'autorité là-dessus. Mais maintenant, comme nous sommes dans est-ce un est-ce que c'est de... parce qu'il a l'autorité qu'il a le droit? Il a le pouvoir de gestion. Donc, maintenant, si on revient dans le cadre chrétien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que Dieu a dit « Toutes choses m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Les arbres, les montagnes, les copains... Tout le monde entier, c'est la propriété de Dieu. Maintenant, Dieu nous a placés. Donc, c'est là que, quand on est chrétien, notre mentalité change un peu plus par rapport à celui qui ne connaît pas Dieu. Puisque quand tu n'es pas de Dieu, tu dis ça, c'est pour moi. Mais quand tu es de Dieu, tu dis ça, c'est pour Dieu. Et Dieu m'a donné de gérer.
et je dois rendre compte de la gestion que j'aurai à faire de ce que Dieu m'a donné. Donc là, comme ça, vous, vous êtes un intendant et vous devez rendre compte. Donc vous gérez selon les règles de l'art établies par celui qui vous a confié la gestion. Voilà un peu ce que je peux apporter comme distinction entre l'intendance et la gestion et aussi la mentalité qu'on peut avoir sur le plan chrétien. Et si tel est le cas, nous allons revenir là-dessus. Mais je voulais savoir, la femme, par exemple, qui a un revenu mensuel, et comme vous l'avez dit, prenons l'exemple toujours sur les 20 000, et peut-être que c'est elle-même qui a généré ce revenu, ou bien ça lui a été confié pour piloter le foyer durant un mois, pour que le foyer puisse vraiment résister dans ce temps et avec ce capital. Oui. Donc, par exemple, si nous prenons 20 000 pour un mois, comment une femme peut bien gérer ces 20 000 là et pour que jusqu'à les 30 jours, il n'y ait pas de crise dans le foyer, qu'on dise qu'il n'y a pas de nourriture ou bien il y a la pâte, il n'y a pas la sauce, ou bien c'est bon. Oui, effectivement. Quand la dame reçoit les 20 000 francs de mère de son mari, maintenant, l'objectif est bien clair. C'est pour les besoins du foyer dans un mois. D'abord, il faut répartir les 20 000 là sur les 30 jours. Donc là, pour faciliter la compréhension aux téléspectateurs, on prend 30 000 pour que ça soit facile pour nous. Donc cela veut dire que si c'est 30 000, ça veut dire que la dame sait déjà que chaque jour, il faut dépenser 1 000 francs pour le foyer. Pour le foyer et espérer couvrir les 30 jours. Parce que si on répartit ça en 30 jours, 1 000 francs par jour, ça fait 30 000 durant les 30 jours. Mais maintenant, une dame qui veut bien gérer, elle va penser, je suis arrivé au marché. Et quels sont nos besoins? Comment je vais faire pour que mon mari et mes enfants, nous puissions manger et être en bonne santé? Pour ne pas dépasser la limite de 1 000 francs par jour. Maintenant, en réfléchissant comme ça, elle va savoir combien elle va sortir des 1 000 francs pour acheter quoi et combiner avec quoi pour pouvoir gérer les besoins du foyer. Maintenant, elle doit réfléchir encore pour dire, durant le mois, les 30 jours, combien de fois je veux que moi, mes enfants et mon mari ont mangé le riz. Maintenant, combien de fois nous allons manger la pâte? Et faire les calculs de telle façon que connaître la quantité de maïs qui sera nécessaire pour le mois. La quantité de riz, la quantité d'huile, la quantité de poisson, la quantité de condiments. Et là, une fois qu'elle a fait cette planification, et là, si on va dans la Bible, Jésus disait que celui qui veut bâtir sa maison, sa maison doit s'asseoir, faire le calcul. Et là, si la dame fait déjà le budget à partir du capital qu'on a donné, le mari peut être informé que, bon, chaque jour, nous mangeons ceci, ça coûte comme ça, et voilà combien approximativement ça peut donner. Et là, avant même de démarrer l'utilisation des 30 000, elle sait si elle va couvrir les 30 jours en besoin du foyer ou ne pas couvrir. Et là, elle porte à la connaissance du mari que, selon mes calculs, en achetant le maïs comme ça, le poisson comme ça, le riz comme ça, l'huile comme ça et les condiments, nous avons peut-être
un surplus de 1500 sur les 30 000, où nous avons un déficit de 10 000 par rapport au coût de vie actuel. Là, le mari, lui, il sait déjà que, selon les prévisions de ma femme, il faut que je me prépare déjà à partir de 25 à mener un complément de fonds pour terminer le mois. Maintenant, si avec le mari, ils sont en train de projeter les dépenses, ça veut dire que toute dépense est connue. Et là, comme ça, elle va montrer à son mari, et le mari aussi se prépare. Là, il n'y en aura pas de querelle, parce qu'au début, on a montré tout. Et tout a été planifié. Voilà. Maintenant, on va demander, dans la gestion maintenant, madame, tout est nécessaire. Mais qu'est-ce que vous pouvez réduire dans tout ce que vous avez listé pour faire manger la famille correctement et pouvoir dégager un surplus d'argent qui sera comme économie? L'épargne. Parce qu'on ne doit pas tout manger. Même si c'est petit n'importe comment, l'objectif de gestion, c'est que quand on revient, qu'on trouve un peu quelque chose. Parce que chaque jour, si on dépense plus que ce qu'on nous donne, au fur et à mesure, nous ne faisons que s'appauvrir. Oui, mais docteur Payaro, avant d'en arriver là, et vous avez fait des diagnostics qui m'ont plu, mais est-ce que vous ne pensez pas que si un foyer veut commencer à appliquer ce principe, peut-être que nous avons défini, par exemple, les 30 000, et que cette femme, peut-être qu'il va au marché, elle voit que dans le détail, ce qu'elle devait s'approvisionner est plus cher. Et plus elle voudrait acheter ça en gros. Et comme vous l'avez dit, la marge qui doit être imputée jusqu'à la fin du mois peut être rehaussée au double pour commencer. Parce qu'en achetant le détail, ça peut aussi et occasionner plus de frais que par rapport au gros, à l'achat en gros. Oui. Très bien. D'accord. Tel que vous êtes en train de dire, ça dit, sur les 30 000, supposons que vous habitez à Pala ou bien à Pessito, où vous êtes distant du marché. Oui. Aller-retour de Z aussi, ça a un coût. Oui. Donc maintenant, pour faire l'économie, comme vous avez bien dit là, ça veut dire que quand elle fait tous les besoins du mois, le ravitaillement, elle va maintenant au marché pour réduire les frais, un seul déplacement pour acheter tout en gros et revenir. Maintenant, elle va pouvoir gérer le foyer sans avoir encore des déplacements à effectuer. Maintenant, l'autre, c'est là que nous sommes sur l'intelligence financière, c'est-à-dire l'intelligence financière de cette dame va rentrer en jeu. Je suis allé, j'ai acheté le maïs, il nous faut 5 bols de maïs pour terminer le mois. Et dans mon quartier, Pessito, bien, ouais, là-bas, peut-être que dans la zone, les gens aussi achètent du maïs. Mais il n'y a aucune femme qui vend le maïs. Je viens maintenant, je sais que pour la première semaine, nous avons besoin d'un bol et demi. Et comme dans mon quartier, personne ne vend le maïs, je peux commencer par prendre les 3 bols restants, vendre ça, en ajoutant un prix supplémentaire comme bénéfice là-dessus. Et maintenant, je commence par vendre le même maïs qu'on devait consommer pour le mois. Maintenant, quand je vends ça, je vais gagner un bénéfice. Maintenant, au fur et à mesure que j'essaie de faire ça, en achetant et en revenant, en vendant ça aux autres, maintenant, en un moment donné, je ne vais plus dépenser de l'argent. Acheter le maïs. Gens qui achètent le maïs chez moi, c'est eux qui vont commencer par payer le maïs que nous, on consomme dans notre maison. Par rapport aux bénéfices. Par rapport aux bénéfices.
Et c'est là maintenant qu'on va dire, la personne, on lui a donné un talent ou bien deux talents et il a pu faire fructifier, multiplier. Mais si vous n'avez pas cette intelligence ou bien cette façon de voir, vous allez acheter vos stocks, vous allez venir déposer. Et puis, vous attendez au fur et à mesure que le temps passe, prendre ce stock-là et consommer, et c'est fini. Et ça ne va rien vous rapporter. Voilà un peu comment est-ce que nous devons faire la planification. L'autre intelligence qui est à côté, supposons que vous êtes dans le quartier, vous êtes au voisinage, et puis bon, vous pouvez faire en sorte que vous achetez en gros. Là, il faut s'entendre avec les voisins. Maintenant, un sac de maïs, ça coûte tant. Mais aller acheter les 60 bols de maïs de façon détaillée, ça va vous coûter tant. Si vous êtes bien intelligent, vous allez vous réunir seulement, vous allez vous prendre ça quand vous revenez. Chacun prend sa partie. Et ça vous revient à moins cher. Ça vous revient moins cher. Moins cher. Voilà. Et c'est ce que les commerçantes font. Elles cherchent l'argent, elles vont au marché, comme s'ils étaient nombreuses à vouloir consommer le même produit. Elles achètent en gros, elles viennent revendre, et puis elles reprennent son argent. Et son argent ne fait que s'augmenter. Vraiment, c'est une intelligence financière et je pense que nous sommes à la RTJVA, la télévision que vous aimez, que nous aimons également tous, nous toutes. Alors, ce soir, nous sommes en train de débattre de ce sujet-là que nous avons commencé, comment promouvoir la femme financièrement. Et aujourd'hui, nous allons dans le sous-thème, comment gérer l'argent du foyer pour pérenniser les fonds jusqu'à la fin du mois, non seulement le mois, pour que nous puissions finir nos jours. Parce qu'il ne sert à rien de travailler des années et à la tendre vieillesse après la retraite, vraiment difficilement, on a de quoi manger à la maison. C'est triste, mais ça dépend de la gestion. Donc, c'est pourquoi nous sommes là, pour débattre de ce sujet important, pour que cela puisse nous aider à avoir une lumière sur nos finances. Alors, docteur Payaru. Oui, madame. Et vous venez de nous expliquer de long en large tout ce que nous devons faire pour... Déjà, c'est un atout parce que quand, par exemple, les gens se cotisent pour aller acheter un sac de maïs de 60 bols, peut-être 4-5 personnes, et je pense que ça, c'est déjà un acquis. Et si vous ne le faisiez pas, c'est l'occasion. Si dans le quartier, vous entendez bien... Inutile d'aller, même pourquoi pas, au moment où c'est en abondance, avant d'attendre le temps de soudure, vous pouvez vous cotiser, aller acheter comme ça quelque part, vous venez vous repartager, même si ce n'est pas pour vendre. Ce n'est pas toujours pour vendre à autrui, mais quand vous avez ça déjà, 5 sacs dans la chambre, je pense que le ménage est assuré, le foyer est assuré. Alors, notre prochaine question, c'est celle-ci. Voilà que et j'ai mes 30 000 et normalement, je devais vraiment, comme vous l'avez dit, le répartir sur les 30 jours pour qu'il n'y ait pas un manquant. Malheureusement, dans ma gestion, je suis arrivé à 15 jours, l'argent est fini. Mais ce n'est pas que j'ai mangé, ce n'est pas que je suis parti acheter autre chose et j'ai mangé. Oui, si c'est ce que nous appelons le déficit budgétaire, parce que vous avez commencé par gérer le bien qu'on vous a confié, mais c'est épuisé avant la fin. Maintenant, ce n'est pas au moment où ça s'épuise que vous devez vous rendre compte que ça s'épuise. C'est au début, lors de la répartition, de dispatching, que vous devez savoir déjà que nous n'allons pas terminer le mois. Et souvent, quand je prends nous qui sommes les salariés, les fonctionnaires et autres là, vous allez voir que chaque fois, on prend le salaire,
jusqu'au 10-15, on est en déficit, ça ne suffit pas, on commence par se plaindre. Mais on ne change pas de comportement. Ce qu'on a fait des avances sur salaire. Voilà. Quelquefois, c'est deux mois d'avance avant le salaire de moi. Donc, maintenant, j'allais continuer dans le sens là. C'est que si vous finissez vos 30 000 le 15 du mois, et ça reste encore 15 jours, vous êtes obligé de trouver les moyens, coûte coûte, pour pouvoir compléter les 15 jours restants. Et c'est là que vous êtes obligé d'aller vers quelqu'un pour dire, je n'ai rien à manger. Et comme cela, donnez-moi pour que, à la fin du mois, je puisse vous rembourser. Là, les dettes commencent. Et quand vous commencez par creuser ces trous, sachez que le trou ne fera que s'approfondir. Et ça va s'élargir. Et vous vous êtes engagé sur une voie de pauvreté à la longue. Mais maintenant, pour sortir de la pauvreté, Dieu dit, le peu que vous avez, si vous savez bien gérer ça, on vous confiera les grandes. La parabole du talent, des talents. Voilà. Donc, si le peu d'argent que vous prenez, vous ne maîtrisez pas sa gestion, Dieu même n'est pas d'accord de rajouter. Donc, cela veut dire que quand nous gérons, que quand ça, ce qu'on nous donne, nous devons gérer de telle façon que celui qui nous donne soit content de la gestion et nous augmente au fur et à mesure. Et en matière du foyer, tel que nous l'avons dit, si le monsieur donne l'argent et qu'il sent cette sécurité que ma femme gère bien, elle dégage des excédents, elle fait des économies, ça lui donne maintenant l'assurance que, bon, je peux augmenter. Pourquoi il va augmenter? Puisqu'il s'est dit que, bon, si demain même ça chauffe, je sais compter sur la bonne gestion de ma femme pour m'en sortir. Sinon, le monsieur sera comme l'exemple de Dieu. Il est le chef de foyer. Quand ça finit, on tourne vers lui les regards. Lui, il ne peut pas dire que, il n'y en a pas. Même s'il faut aller emprunter, il va le faire. Il va faire tout possible. Donc maintenant, c'est pour ça que nous voulons que les femmes comme les hommes, chacun apprenne comment faire la gestion de ses finances, de ses revenus, de ses ressources, de telle façon que qu'on ne tombe pas dans la crise. Et quand le besoin est déjà là, tu es obligé parce que c'est le besoin maintenant qui te contrôle. Donc, tu n'arrives pas à te contrôler parce que, bon, tu n'as rien. Et malheureusement, les enfants n'ont rien à manger. On te dit, tu es obligé d'aller emprunter. Tu es obligé d'aller prendre la nourriture à crédit. Et quand tu vas prendre maintenant un nouveau revenu, ça va pour boucher l'ancien trou. Maintenant, le nouveau trou est déjà creusé. Et au fur et à mesure, tu rentres dans ce cercle-là. Et pour t'en sortir, il faut le miracle c'est de compliqué. Dieu. Comme la veuve du fils du prophète, le monsieur, il en a emprunté. La Bible n'a pas dit ce qu'il a en fait avec. Voilà. Et il est mort, même laissé la dette. Les enfants innocents, ils n'étaient pas impliqués dans cette gestion, on devait les prendre. Ils ont hérité la dette de leurs parents, de leur papa. Donc, il a fallu que la dame puisse aller vers l'homme de Dieu. Ça aussi, c'est une intelligence qu'on doit exploiter sur le plan spirituel. Le fils du prophète, il était avec le même homme de Dieu. Mais il n'a pas senti le besoin de dire que, ah, patron, homme de Dieu, là où je suis, ça me chauffe. Il faut faire quelque chose. Il n'a pas trouvé ça. Il a pris ses voies et moyens pour gérer le problème qu'il a. Des fois, quand nos ressources sont insuffisantes, il faut demander à Dieu de te donner des finances. Et celui qui demande, on lui donne. Mais maintenant, des fois, quand nous allons dans les églises pour former des gens, on se rend compte que personne ne fait son budget mensuel pour présenter à Dieu que le mois de septembre arrive demain. Dieu, voilà, c'est tel montant que je veux dépenser au cours du mois. Je n'ai rien. Et
j'attends que tu me donnes. Mais maintenant, nous tous, comme nous avons certaines sources de revenus là, on compte sur ça. Et Dieu n'aime pas qu'on s'appuie sur quelque chose. On doit s'appuyer sur lui. Malgré que j'ai mon salaire qui va venir à la fin du mois, Dieu, j'ai besoin que tu interviennes en ma faveur. Dieu peut me bénir plus que mon salaire que j'attends. Et là, en faisant confiance à Dieu, là, Dieu va intervenir dans nos situations. Comme le dit dans Philippiens, il enrichit ou bien il bénit selon ses richesses. Voilà. Donc, Dieu nous bénit. Surtout nous qui sommes les enfants de Dieu. Même si on t'a donné 30 000 francs, tu sais que ça ne suffit pas. Tu présentes ça à ton bon Dieu. Mon Dieu, voilà ce que j'ai reçu. Multiplie ça. Comme Jésus avait les pains dans ses mains. Et quand une grâce spéciale tombe sur le peu que vous avez, vous n'allez pas savoir comment vous avez fait et que les 30 000 suffisent et que ça reste. Et justement, par rapport à ça, c'est là que les chrétiens qui ont quand même la foi en leur Dieu, il est capable de prendre peut-être 5 000 sur ces 30 000 pour dire, bon Seigneur, je mets ça dans le tronc pour que ça puisse servir à ton œuvre parce que j'ai besoin de ton accompagnement. On avait essayé de toucher ça la fois passée en vernaculaire. Oui, je voulais qu'on en revienne cette fois-ci. Oui, effectivement, c'est ça qu'on appelle la semence. Et la semence, quand on sème, on attend à récolter. Et des fois, pour le faire, il faut que notre foi nous dise que ce que j'ai semé, je vais récolter. Ne fais pas parce que les autres font. C'est ça la différence de Dieu. Parce que Dieu regarde un peu le cœur qui vient vers lui pour agir. Comme tel que vous avez dit, je vais profiter pour dire, des fois, moi-même, il m'arrive de poser de tels actes. Et quand Dieu me retourne, et en même temps, le résultat, je regrette que si je savais, j'allais me faire plus. Voilà. Quelqu'un a dit, oh, je t'ai donné 5 000, j'ai eu 20 000. Je devais te donner 10 000 pour avoir plus. Voilà. Donc, juste l'autre fois, j'étais en train de diriger la prière dans une église. Et puis, quand je suis arrivé, je leur ai dit, on va semer. Et bon, c'était un réveil que j'animais. Donc, j'ai semé l'argent. Ce que j'ai semé la soirée, là, le lendemain, avant 15 heures, ça a été multiplié par 10. Oui! Et c'est revenu. Donc, le lendemain soir, quand je suis venu pour continuer le réveil, j'ai dit que ah, hier, ce que moi j'ai semé là, c'est venu en même temps. Donc, le champ de chacun sera ce que tu sèmes. C'est ça. Ça dépend de type de semences que vous avez mis et le temps de récolte que ça va mettre. Mais il faudrait qu'on croie que ce qu'on sème, on va récolter. D'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui ou demain. Donc maintenant, celle qui a reçu l'argent du ménage pour gérer le mois, il dit, je prends une partie pour aller donner à Dieu, pour que Dieu multiplie. Souvent, avec Dieu aussi, il essaie de voir jusqu'où tu crois. Peut-être que tu mets ce mois, ça ne donne rien. Il veut voir si tu es venu faire marchandage, oui, quelque chose. Ou bien c'est l'ennemi lui-même. Il va venir bloquer et puis il te dit maintenant, voilà, Dieu a pris, Dieu a donné, non, voilà. Mais quand ça vient comme ça, il dit, je sais que mon Dieu multiplie ce que je lui donne et il fait une bonne mesure, il secoue, il remplit bien, selon Luc 6, 38, avant de me redonner. C'est ça. Et à force de te dire ça, même si j'ai donné que moi et mes enfants, nous allons boire que de l'eau pour terminer le mois. J'accepte
Le diable, tu ne peux pas me perturber. Donc, au fur et à mesure que votre foi grandit, un jour viendra dès que vous mettez la multiplication automatique. Voilà un peu et ce qu'il faut regarder. Une sœur qui a l'habitude de dire « Je préfère être partenaire avec Dieu et investir dans son champ que d'aller investir ailleurs. » Parce qu'avec Dieu, l'investissement est sûr et rentable. Rentable. Et le revenu est certain. Voilà. Il y a des semences que les gens font aujourd'hui. Puis tu vas récolter plus tard, toi-même, tu seras étonné. Vraiment. Avec Dieu, on n'est jamais endetté. Oui. Et il a dit qu'il nous fait des riches sans effort. Voilà. Et c'est lui qui enrichit sans aucun chagrin. Voilà. Alors, merci beaucoup. Nous sommes à la RTJVA, la télévision radio Jésus vous aime. Nous sommes en train de débattre d'un thème que nous trouvons important. Et si vous êtes, vous nous avez pris en route, nous sommes en train de débattre de la gestion de l'argent dans le foyer, comment gérer notre avoir mensuel pour que cela puisse vraiment être à terme avec les jours et le revenu, qu'on ne puisse pas creuser des trous aussi profonds et que nous puissions les combler et que la dette soit toujours là perpétuellement sur nous. Parce que notre Dieu est un Dieu de richesse et il nous bénit. Alors, docteur Payaro, et ce que nous allons voulu encore savoir de vous, c'est que généralement, la femme qui n'a pas un revenu sûr et que le mari lui ait donné un capital de commerce, et avec ce capital de commerce, le mari dit « Ah tiens, tu prends ça » et puis bon, et c'est parti. Nous allons manger dedans, tu te débrouilles dedans et puis finalement, et bon, on réalise que ça ne fait pas long feu. Quoi. Oui, effectivement, c'est pourquoi la gestion n'aboutit pas, et c'est d'abord les connaissances. Quand tu ne connais pas, tu vas perdre. Donc, comme à l'école, quand tu ne connais pas la question, la réponse à la question qu'on t'a posée, tu as zéro. Donc, il y a certains, on leur donne l'argent. Pas d'à peu près. Voilà. Ils ne savent pas comment résoudre l'équation de l'argent là pour que ça s'augmente, il va perdre. Donc, j'inviterai chacun. C'est pour ça que nous aussi, on est là avec l'intelligence financière. Ceux qui veulent apprendre à bien gérer. On nous a appris à lire, à écrire à l'école. On t'a appris à faire la couture. Tu connais comment bien coudre les chemises, les jupes pagnes aux gens. Mais tu ne sais pas comment gérer l'argent. Parce que tu gagnes quotidiennement. Tu n'as pas appris comment gérer l'argent. Donc l'argent peut rentrer comme ça dans tes mains. Mais un jour, tu t'arrêtes et tu dis que j'avais de l'argent, mais tout est parti. Donc c'est les connaissances d'abord. Et c'est la connaissance là que des fois Dieu révèle aux gens. Et la personne a cette connaissance, à l'instar de Joseph qui a géré les biens de l'Égypte. Donc il a une connaissance et il a posé une formule de gestion, si bien que l'Égypte s'est départie de la famine. Donc maintenant, si aujourd'hui les gens veulent se départir de la pauvreté, il faut commencer par apprendre, suivre des émissions comme ça. Chercher à lire, apprendre chez ceux qui réussissent, voir comment ils font. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir réussir. Donc maintenant, si vous avez un capital que votre mari vous donne d'aller faire fructifier, il faut commencer par apprendre comment on fait fructifier l'argent. Oui, mais je voulais que j'ai bien précisé que le mari là qui donne ce capital ne donne plus rien au foyer. Il faut fructifier et nous mangeons dedans. Voilà. Oui, effectivement, le mari a donné le capital et il veut que le capital là produise des intérêts et que les intérêts alimentent le foyer. Maintenant, le foyer. Voilà. Maintenant, c'est de voir dans la gestion.
quel capital je prends pour faire fructifier et quel capital va générer des revenus qui vont alimenter la consommation du foyer. Par exemple, supposons qu'on vous a donné 100 000. Vous allez dire que sur les 100 000, je prends 70 000 pour acheter des marchandises, je revends, je dégage des bénéfices et c'est les bénéfices dégagés par les 70 000 qui vont nourrir le foyer. Ça aussi, c'est l'intelligence. C'est le savoir-faire. Maintenant, les 30 000 restants, c'est les 30 000 là qui vont générer des bénéfices et les bénéfices là seront conservés pour toujours faire augmenter le capital que j'ai. Ça veut dire, si nous prenons l'exemple d'une femme qui est dans le commerce et les 100 000, elle prend son 10 000, ça produit pour la consommation, les intérêts vont nourrir le foyer. Supposons que les 10 000 là, quand elle prend ça pour mettre dans le commerce, les 10 000 vont produire peut-être, supposons que ça produit 30 000. Et les 30 000 autres vont produire à peu près 15 000. Donc ça veut dire que les 100 000 qu'elle a reçus là, les 100 000 vont rapporter 45 000 francs de bénéfices. Donc, elle s'est dit que sur les 45 000 francs de bénéfices, donc, j'ai vendu mes marchandises, j'ai mon capital 100 000, j'ai enlevé toutes les dépenses, j'ai encore mon capital 100 000, j'ai le bénéfice 45 000. Donc, maintenant, elle s'est dit que, ah, comme on m'a dit, c'est ce commerce qui va nourrir le foyer. 15 000 francs de bénéfices, ça ne contribue pas à la consommation. Nous allons consommer que 30 000. Et même si les 30 000, je fais de telle façon que ça soit peut-être 20 000 ou bien 25 000 qui sont consommés. Donc maintenant, ça reste 15 000. Peut-être si j'ai pu faire et je suis arrêté à 25 000, le mois est fini, ça veut dire que j'ai 20 000 de bénéfices. Donc mon capital que j'avais 100 000, ça devient 120 000 que j'amène au marché. Mm-hmm. J'achète encore, maintenant je reviens avec les marchandises de 120 000. Je dis toujours, c'est les intérêts de 70 000 qu'on consomme. Maintenant, les intérêts de 50 000, ça sera aussi conservé. Ça, c'est l'intelligent toujours. Donc maintenant, une fois que, chaque fois que je mets 100 000, je gagne 45 000. Donc maintenant que j'ai amené 120 000 au marché, ça veut dire que mes intérêts vont s'augmenter encore de peut-être 15 000. Donc ça veut dire que le mois-là, j'ai les intérêts de 60 000. J'ai dit, c'est les intérêts de 70 000 qu'on mange. Donc, ça fait 30 000. Et les 30 000 là, ça va pour augmenter le capital. Donc, j'avais commencé avec un capital de 100 000. J'ai réparti 30 000. Ce que ça produit, on ne consomme pas. Mais 10 000, ce que ça produit, c'est ça qu'on consomme. D'accord. Donc, maintenant, au fur et à mesure, les 30 000 là produisent. Et puis, les bénéfices que je dégage aussi sont en train de gonfler le capital. Donc, au deuxième marché, pour aller au deuxième marché, j'étais parti avec 120 000. Maintenant que j'ai gagné encore 30 000 que j'ajoute, donc au prochain marché, j'irai avec 150 000. Donc au fur et à mesure que cette femme a cette intelligence, cette façon de bien gérer, vous allez voir que le capital que le mari a donné ne fait que s'augmenter marché après marché. Marché après marché. Et un jour maintenant, vous allez voir que elle est tellement satisfaite parce que la grâce de Dieu aidant, elle va maintenant bâtir un foyer heureux à partir du seul capital. Merci beaucoup, docteur. Mais il faut apprendre et avoir les connaissances pour pouvoir y arriver. Qui cherche trouve, celui qui veut apprendre le trouvera. Et j'espère que à partir de cette chaîne de télévision, vous apprendrez beaucoup de choses
et pourquoi pas en présentiel. Nous aurons aussi à peut-être faire des formations. Nous allons inviter le docteur Payaro et il va plus nous parler. Peut-être que nous avons des inquiétudes, des questions qui nous brûlent, mais nous ne pouvons pas les poser parce que nous n'avons pas le téléphone en direct. Et j'espère que ça viendra. Et surtout, en présentiel, on aura de ces séminaires et que vous allez vraiment apprendre beaucoup de lui. Merci, docteur Payaro. Je pense que nous avons posé une question large, mais nous l'avons rétrécie. Et ça voudrait dire que nous devons encore revenir une troisième fois parce que la question n'était pas répondue quand je vous ai apostrophé pour ramener la question au fonds alloué par l'homme et ces fonds devaient aussi servir également au revenu familial. Alors j'espère que notre temps est à son terme. Si vous avez un petit mot et on clôture. Bon, oui, vraiment, mon dernier mot, c'est que les femmes et leurs maris doivent s'entendre sur la gestion du foyer en termes de l'argent. Et comme ça, s'asseoir, faire un budget ensemble, savoir combien nous allons dépenser. Est-ce que l'homme seul va financer le besoin de gestion en finance de foyer ou la femme doit contribuer? Il faudrait que tout ça là, ça soit mis au clair. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation et de vous avoir déployé pour éclairer certaines zones d'ombre sur ce plateau. Et j'espère que ce n'est que partie remise et nous y reviendrons la prochaine fois parce que la question n'était pas répondue quand nous avons un peu sous-thème la question. Alors, merci à vous, nos chers techniciens, et merci de nous avoir donné ces belles images. Soyez bénis et que la prochaine fois, nous reverrons. Portez-vous bien et que le Seigneur nous garde jusqu'à ce moment, s'il tardait dans sa venue. Merci encore une fois. Bye bye. Ciao. Exploiter ta conscience.